T'as genre 18 et 30 ans, tu veux triper à visiter le Canada et potentiellement faire ta part dans la conservation de la faune et de la flore du Canada, de ton beau pays. Un programme super intéressant pour toi, le Corps de conservation canadien. Programme de la Fédération canadienne de la faune. Pour en parler, j'ai avec moi Simon qui était participant dans le programme. Comment ça va, Simon? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Parle-moi de ça, le Corps de conservation canadien, qu'est-ce que c'est? Oui, donc le Corps de conservation canadien, c'est un programme qui est géré par la Fédération canadienne de la faune et de la flore et qui est financé par Service Canada Jeunesse. Donc c'est un programme pour les 18 et 30 ans qui permet à des gens de pouvoir voyager en dehors de leur province. Donc la première partie du programme, donc ça c'est divisé en trois parties. Donc la première semaine, c'est simplement des formations en conservation. On obtient une formation pour avoir ses premiers soins. On apprend à côtoyer les gens avec qui on va partir dans l'expédition. Donc on connecte avec eux, on a des activités de leadership. Donc ensuite, la deuxième partie, c'est l'expédition. Donc c'est deux semaines très intenses. Moi, par exemple, j'ai fait mon expédition dans le parc national du Mont Carlton au Nouveau-Brunswick à ce mois de février. En hiver. En hiver, exactement. Donc en gros, on faisait du camping, il faisait moins 30 dehors. Oh. On dormait là, c'était vraiment froid, là, c'était vraiment rough. On a monté trois montagnes, il y avait une expérience solo de 24 heures où il fallait construire son propre igloo pour essayer de dormir là pendant une nuit. Donc c'était vraiment une expérience intense et vraiment le fun. Au point de vue dépassement, là, on est dedans. Là, ah, la question vraiment. De se dépasser personnellement, ah, ouais. Au travers d'efforts de conservation, ça peut être trippant. Oui, exactement. Donc ça, l'expédition, c'est le deuxième niveau, la deuxième étape? La deuxième étape pour du premier mois qui est dans un endroit. Donc finalement, là, après cette expédition, on retourne là où on a eu la partie... formation. La partie formation, exactement. Et on a encore d'autres formations en conservation. On obtient la certification Paddle One, Hikers One. Comme ça, on peut gérer nos propres expéditions dans le futur. Donc ça, c'est la première partie du programme. Donc c'est dans un premier voyage. Ensuite, on retourne là d'où on vient. Donc moi, par exemple, je viens de Montréal. J'ai passé une semaine à Montréal. Donc j'ai pu passer du temps avec des amis, avec ma famille, pour pouvoir relaxer un petit peu. Et ensuite, on repart trois mois pour faire une expédition, une expérience de bénévolat encore dans une autre province. Donc moi, j'ai eu mon expérience avec la Fédération de la faune et de la flore de la Saskatchewan. Et en gros, c'était encore une expérience vraiment enrichissante. J'ai eu l'opportunité d'enseigner le tir à l'arc, de participer à deux tournois de tir à l'arc en tant qu'arbitre, de faire de la biologie avec des poissons pendant deux semaines, de vérifier des images aériennes pour s'assurer que des terres protégées l'étaient toujours. Donc j'ai eu vraiment une panoplie d'expériences différentes en conservation. Donc c'était vraiment, vraiment enrichissant comme expérience. Puis finalement, la troisième partie du programme, c'est ça se déroule chez toi et c'est ton propre projet en conservation. Ça peut être faire soit simplement du bénévolat pour des organismes ou faire par exemple des opérations de nettoyage. Mais moi, vu que j'avais une expérience en philanthropie, à la recherche de donateurs, j'ai créé une base de données qui assemblait environ 100 organismes des fondations ou des compagnies qui donnent dans le secteur de la conservation. Et j'ai envoyé ça à 25 organismes au Canada. OK. Donc, pour les donations au bout de la ligne. Et il y a une raison pour laquelle, toi, tu t'es inscrit à ce programme-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à ce programme-là? Oui. Donc, en gros, moi, j'ai fait un bac en administration des affaires et j'ai réalisé que, la dernière année, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais travailler... en conservation. Oui, exactement. Donc, je me cherchais simplement un travail, puis c'est arrivé sur mon Facebook, pop, cette opportunité comme ça. Donc, je me suis dit, ça a l'air vraiment cool, fait que je vais l'essayer. Je me suis inscrit, puis j'ai été sélectionné. Toute une opportunité. Ici, ouais. J'aurais à te demander, qu'est-ce que tu as à dire aux gens, aux jeunes de 18-30 ans, pourquoi ils devraient s'inscrire à ce programme, au Corps de conservation canadien? Bien, simplement, si tu veux travailler dans le domaine, ça te donne une expérience vraiment bonne pour remplir ton CV avec toutes sortes d'expériences différentes. Si tu veux voyager au Canada, justement, tu visites deux autres provinces. Si tu veux rencontrer des gens de partout au pays, c'est parfait, exactement. Donc, c'est vraiment une expérience qui peut bénéficier n'importe qui de 18 à 30 ans.
En plus de participer aux efforts de conservation et d'en apprendre sur la conservation, parce que dans la mission de la Fédération canadienne de la faune, eh bien, il y a tout ce volet-là de conservation, faune et flore, et c'est un peu la mission. Donc là, on vient adjoindre ensemble un peu l'enseignement à la jeunesse et leur donner goût à cette conservation-là, qui est la mission profonde de la Fédération. Ouais, exactement. Donc on rallie tout ça ensemble et donner l'opportunité aux jeunes de voir un peu les cultures, qu'est-ce qui se fait ailleurs comme effort de conservation, mais ça a tout sa place. Une fois revenu en province, une fois revenu chez nous, on peut juger très différemment qu'est-ce qu'il y a à faire et le goût de s'impliquer. Puis cette vision globale-là va enchérir tout le monde là-dedans et notre belle faune et notre belle flore. Simon, je te remercie infiniment. Merci beaucoup. On va inviter les gens à aller se renseigner du côté de la Fédération canadienne de la faune sur le corps de conservation canadien. 18-30 ans, tu veux triper solide, voyager, participer aux efforts de conservation, c'est ton programme. Tu vas te renseigner sur le web. C'est une opportunité en or. Simon, merci beaucoup. On se quitte pour une pause. On se revoit à l'autre bord de la pause. La Fédération canadienne de la faune est fière de vous avoir présenté cette partie d'émission.